Dans cette vidéo, on va corriger les quatre questions que je vous ai posées pour le défi mathématique d'aujourd'hui et je vous présenterai le défi qui est à faire sur le cahier bleu. Alors, on regarde tout d'abord le graphique. Alors, vous avez vu, cette semaine, ce n'est pas un graphique avec des colonnes et des lignes. C'est un graphique avec des segments tracés dans un quadrillage. Alors, ce graphique montre quoi? Il montre le nombre de pommes récoltées dans la semaine. Avez-vous vu les jours de la semaine? Ils sont en bas. Chaque jour est représenté, pardon, par un trait vertical. Et il y a le nombre de pommes. Alors, avez-vous vu aussi qu'il y a des lignes qui ne sont pas annotées? Par exemple, cette ligne-là, horizontale, on ne sait pas combien il y a de pommes ici. Il faut le déduire en regardant le nombre qui est avant et le nombre qui est après. Alors, c'est parti. Première question. Je vous demandais combien de pommes ont été récoltées lundi. Alors, le jour de lundi est là. Il fallait donc regarder sur ce trait, sur cette ligne verticale-là. Alors, je l'ai remis en plus gros ici. Donc, le lundi est ici. Eh bien, il faut que je monte la ligne, le trait, jusqu'à trouver le trait vert. C'est ici. Lundi, 20 pommes ont été ramassées. Je n'ai plus qu'à écrire la réponse. Lundi, 20 pommes ont été récoltées. Bon, je vous avais dit de ne pas écrire la réponse, enfin de ne pas faire de phrase, juste écrire le nombre. Deuxième question. On va faire les deux questions là. Première question, pour cette page-là. Vendredi, combien de pommes ont été ramassées? Alors, il faut que je regarde à vendredi. Vendredi est écrit là. Donc, les pommes ramassées vendredi sont inscrites ici, sur ce trait, sur le trait qui est repris là. Alors, je l'ai repris en plus gros ici. Et il faut que je m'arrête là où le trait vertical croise la ligne verte. C'est ici. Si je continue la ligne horizontale jusqu'au nombre, ça fait 10. Donc, vendredi, 10 pommes ont été récoltées. J'écris la réponse. Voilà une première réponse. La question suivante, c'était mercredi, combien de pommes ont été récoltées? Donc je regarde sur la ligne verticale du mercredi, elle est là sur le schéma en entier, elle est reprise ici en plus gros. Donc je m'arrête là où la ligne verte croise mon trait vertical, c'est ici. Je suis le trait horizontal. Mince, il n'y a pas écrit combien il y a de pommes. Par contre, j'ai un indice. Le trait avant, c'est 10. Le trait encore avant, c'est 5. Et le trait après, c'est 20. Alors, qu'est-ce qui est entre 10 et 20 au milieu? Parce que si vous voyez bien, il y a la même distance ici que là. Pardon. Bien oui, ce qui est au milieu entre 10 et 20, c'est 15. Donc, mercredi, 15 pommes ont été récoltées.
J'ai perdu la page, la voilà. Voilà pour ces deux questions. La quatrième question, la dernière question à faire sur le cahier de brouillon, était un tout petit peu plus compliquée. Je vous ai demandé, quel jour a-t-on ramassé 30 pommes? Alors, la question était prise un petit peu à l'envers par rapport aux trois autres questions. Pour ça, pour s'aider, on pouvait très bien colorier, repasser sur la ligne des 30, puisque je demandais quel jour on avait ramassé 30 pommes. Alors, je vais essayer de colorier assez proprement la ligne des 30. C'est celle-ci. Maintenant qu'elle est coloriée, il faut qu'on regarde où mon trait de couleur rencontre le trait vert. Il y a ici. Alors ici, ça croise, mais ça ne correspond pas à des jours. Donc ça, ça, comme ce ne sont pas des jours, on ne peut pas le noter. Donc c'est ici. Et regardez ici aussi, ça croise un trait vertical. Donc, la réponse est écrite sur le graphique. Ce jour-là, mardi, 30 pommes ont été ramassées. Ce jour-là, dimanche, 30 pommes ont été ramassées. Donc, si je réponds à la question c'était quel jour a-t-on ramassé 30 pommes? La réponse c'est mardi et dimanche, on a ramassé 30 pommes. Voilà pour la quatrième question. Maintenant, le défi qui est à faire sur le cahier bleu. Alors, toujours le même graphique, toujours la même histoire de pommes qui ont été ramassées. La question du défi, la voilà. Combien de pommes ont été récoltées cette semaine? Donc, je veux connaître le nombre total de pommes qui ont été ramassées pendant la semaine. C'est à vous de jouer. On se retrouve dans la vidéo de correction.